prendre l'avion. Surtout, ne pas juste survoler la planète. S'arrêter, plonger dans les différentes traditions culturelles, leur mode de représentation, leur mode de transmission. Surprendre les gestes, les regards. Toute cette chaîne ininterrompue qui traverse les générations sans pour autant être codifiée à l'écrit. Comment cet authentique patrimoine culturel immatériel se transmet-il au fil du temps? Comment résiste-t-il aux accélérations qui caractérisent notre époque? Direction l'UNESCO, afin de prendre la mesure de l'enjeu. Comment survivre en tant qu'humain quelque part? Eh bien, c'est toute l'accumulation du savoir qui se traduit dans le patrimoine immatériel. Et si vous avez une chanson, si vous avez une manifestation de danse, elles sont souvent liées entre elles à la célébration d'un cycle naturel, à la fin d'une saison, à quelque chose qui fait qu'en fait, on célèbre le fait qu'une fois de plus, on a réussi à survivre dans notre environnement. Et c'est ce sens-là qu'il faut préserver, et c'est ce savoir-là qu'il faut savoir aussi valoriser et préserver. Le patrimoine immatériel, vous pouvez en trouver par exemple dans les arts du spectacle, vous pouvez en trouver dans des pratiques sociales, vous pouvez en trouver dans des connaissances relatives à la nature ou à l'univers, vous pouvez en trouver dans tout ce qui est l'artisanat traditionnel. Il faut bien voir que le patrimoine immatériel évolue, s'adapte, toujours en réponse à l'environnement. Il n'est pas figé, il ne faut pas le figer, il faut le laisser vivre. C'est un patrimoine vivant, et comme tout patrimoine vivant, il se reproduit et se reconstruit chaque fois en perdant certains éléments qui ne sont plus appropriés à l'environnement et en recréant certains qui deviennent plus appropriés au nouvel environnement. Le patrimoine évolue avec l'histoire.